Bienvenue à Monte Carlo. Après une longue année supplémentaire d'attente, le Grand Prix de Monaco historique est de retour. Reportée en 2020 à cause de la pandémie, elle est enfin là cette 12e édition. Avec comme toujours d'intenses préparatifs dans les coulisses de l'Automobile Club de Monaco, afin que tout soit parfait. Une des stars de cette édition est le Français Jean Alési. Il ne passe pas inaperçu avec 11 Grands Prix disputés en Principauté pour Tyrrell, Benetton et Ferrari. Moi, piloter Monaco, pour moi, ça a tout le temps été toute ma carrière le rendez-vous avec la piste, avec les fans, avec l'histoire. Et aujourd'hui, je suis retourné en retraité, disons. Mais par contre, je conduis la voiture de Niki Lauda, une voiture mythique, une voiture des années 70, qui a écrit l'histoire aussi de Ferrari, puisqu'ils ont été champions du monde avec cette voiture. Donc c'est une grande responsabilité, mais quel plaisir. Monaco, c'était vraiment mon endroit de prédilection, je dirais, parce que à l'époque, on avait rendez-vous avec des circuits ou sous la pluie ou à Monaco. On savait que si on s'arrachait, on réussissait à tirer un résultat. Donc, j'ai jamais laissé passer cette possibilité. Monaco, j'étais tout le temps prêt. Grand Prix historique, je suis venu au tout début pour le plaisir. Mais quand je suis arrivé ici dans le paddock, j'ai vu toutes les voitures. Je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai niveau, que ce n'était pas une promenade. Et bon, moi, je suis un compétiteur dans l'âme et je conduis une Ferrari. Donc, quand on conduit une Ferrari, il ne faut décevoir personne. Et je vais vraiment essayer de faire le maximum pour être dedans. Une histoire très spéciale aussi pour la voiture qu'il pilotera. Elle fut en pole position au pied du rocher en 1974. Mais une monoplace, même ancienne, reste une monoplace et Jean d'Avignon compte bien sur elle pour ajouter une ligne supplémentaire à son palmarès à Monaco.